Bonjour YouTube, c'est Arsène. Aujourd'hui les potes, nouvelle draft à thème dans laquelle on est parti pour un thème assez sympa. Normalement, équipe de ouf garantie, geste technique garantie, beau football garantie et top but garantie. Comptez sur moi. Dans cette vidéo, on prendra uniquement des joueurs du Brésil et de l'équipe de France dans une draft. De quoi avoir deux nations du football et peut-être un futur vainqueur du mondial. Du moins j'espère pour l'équipe de France. A voir comment l'équipe sera managée parce que forcément, il y a beaucoup de changements par rapport en 2018 avec l'équipe de Didier Deschamps. Giroud qui ne sera certainement pas en pointe, Pogba, Kanté, milieu de terrain qui ne seront pas là. Plein de changements par rapport à l'année 2018. En parlant de management d'équipe, cette vidéo est sponsorisée par le meilleur jeu de management d'équipe sur mobile, Top Eleven. Un jeu qui est en free-to-play, donc c'est un jeu gratuit, dans lequel vous gérez vraiment tous les aspects d'un club de foot. Signer des joueurs, signer des superstars, créer un club, créer un stade, tout est modifiable. C'est votre club et vos règles. Et en ce moment, il y a un nouvel événement sur Top Eleven qui s'appelle Penalty Clash. Donc premièrement, vous avez votre équipe sur le côté, les entraînements également pour améliorer vos joueurs, des conseils bien sûr du coach José Mourinho. Dans votre équipe, tous vos joueurs ont des caractéristiques détaillées, les postes, l'âge, les stats, l'entraîneur personnel, le contrat également, c'est à vous de tout gérer. Les transferts également, marché des transferts, recrutement, négociation, plein de modes pour vraiment vivre l'expérience à 100%. Ce nouvel événement s'appelle duel de tir au but, on va l'essayer ensemble. On va prendre du coup l'équipe de France, on essaye AF5 Crew contre The Special One. Mourinho ça, on reconnaît. On marque le tir au but quand on est prêt, c'est plutôt bien tiré mais pas dingue non plus. Mais ça rentre, 1-0 pour l'instant. Et également, on est là pour défendre, je reste au milieu. Et ça arrive, est-ce qu'on prend ce tir au but de l'espace? Il est incroyable celui-là. Inarrêtable, forcément, imparable. Sur le côté. Et ça a arrêté. Quel arrêt! La victoire, du coup, j'améliore le résultat de l'équipe de France. Et on peut voir que la France est actuellement 7ème du classement. On a un peu de retard. C'est un événement joueur contre joueur, donc vous jouez contre des joueurs du monde entier. Et bien sûr, vous comme moi, allez participer au succès de l'équipe de France dans ce classement. Pour ceux qui souhaitent télécharger l'application Top Eleven, il y aura bien sûr un lien juste en description. N'hésitez pas, bien sûr, à télécharger. On est parti maintenant. Draft à thème avec des top buts. Draft aujourd'hui extraordinaire entre la France et la CSAO brésilienne. France-Brésil, il y a de quoi avoir une équipe de fou malade. Maillot français, bien sûr, 2 étoiles. Bientôt 3 on l'espère. Compo pour cette draft 100% France-Brésil. Je sens bien un petit 4-5-1 offensif avec pourquoi pas des MOC de ouf. Capitaine pour commencer, Rafinha, Benzema ou Hernandez. Le problème c'est que les ailiers en MD ça va pas forcément rentrer. Allez, on tente un Benzema, le ballon d'or pour commencer. Deuxième MOC avec lui, brésilien, ok. Cezinha ou Savanier. Je tente le Cezinha, je crois qu'il est très technique. En plus 5 gestes techniques, 5 mauvais pieds. Incroyable, même si on le joue pas mal. Milieu gauche, Saint-Maximin. Lui aussi, c'est un Brésilien dans l'âme. Et buteur, un petit Kylian Mbappé, un petit Papin, un petit Gabi Jesus. Très, très, très bien. On est encore dans le thème. 4 sur 4 pour l'instant. Milieu droit, fallait que je parle. Ah si, milieu droit, Gabriel Veron encore une fois. 5 sur 5. Milieu de terrain, français. Et non, Fabien Ruiz, qui joue en France. Mais ça ne passe pas, on l'enlèvera après. Défenseur gauche ensuite, Hernandez. Parfait, le meilleur DG avec Ferland Mendy. Défense centrale, son frérot ou Gabriel. On part sur Lucas Hernandez, comme ça il y a le collectif parfait entre les frères. Je dis n'importe quoi, il n'y a même pas de collectif parfait entre frères, mais ça aurait pu être pas mal. Et défense centrale, qui d'autre que lui? Lucio, la carte héros brésilienne. Bon, c'est pas la carte héros Coupe du Monde, mais quand même, très très belle carte. Pour l'instant, l'équipe, elle est extraordinaire. Il manque juste Neymar et Mbappé, et après, ce sera le top. Dani au défenseur droit. Bah, c'est bon, la défense est parfaite. On fait un sans faute pour l'instant. Et le gardien. Ah ouais, fallait que je parle. Pas de gardien, je prends Ortega pour l'instant. Gardien remplaçant, j'espère avoir un français. Let's go. Meslier qui arrive ici, gardien français. Et pour l'instant, on a juste Fabien Ruiz à changer. On va y arriver. Par contre, j'espère avoir des cracks. Dembélé, Mbappé, qui tu veux. Kimpembe, ça rentre. Presco dans l'équipe, à la place de Hernandez, c'est un petit peu mieux. Ensuite, brésilien, parfait. Alex Téllez également. On peut le mettre au pire à droite si besoin, il sera un peu meilleur. Peut-être que Danilo. On verra après. On enchaîne. Ndombele, encore un français au milieu de terrain. Et là, c'est bon. On a le 11 joueurs. Fred, encore mieux que Ndombele. Fred en MC, plus 1 en collectif. Et Ndombele, plus 4. Ah ouais, je préfère quand même un petit Fred. En vrai, le problème, c'est Benzema, il est en AT. Ça, c'est vraiment relou cette année. On continue. Ousmane Dembele, Firmino ou Nkunku. Ou Brenner. Brenner, on oublie. En vrai, ailier droit, j'ai personne. Enfin, désolé, mais pour moi, c'est personne. Même s'il est bien plus connu que moi, peut-être au Brésil. Du coup, je vais tenter un Dembouz à droite. Valeur sûre. Très bonne carte. Ensuite, un autre crack, s'il vous plaît. Kramaric, c'est pas ouf. Les réservistes pour enchaîner. Alouane, je vais pas le prendre. Je vais prendre la pire carte possible pour peut-être avoir du lourd derrière. Je me dis ça dans ma tête parfois. Thomas Lemar qui arrive au milieu de terrain, carte incroyable. Ribéry 90 également, super belle carte. Ah, je suis dans un dilemme parce que j'adore la carte de Lemar. Vraiment, il est trop 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 fort. Après, je me dis, Cezinha, ça a pas le niveau de Ribéry. On part sur un Ribéry devant. On enchaîne. 3 cartes restantes simplement. Donnez-moi un petit Mbappé ou un petit Neymar et là on serait au top. Juste ça. Je demande rien d'autre. Un seul joueur. Neymar, Mbappé, Ronaldinho ou R9.
on finit là-dessus. Sissoko, Henry, pas mal. Alors, Sissoko ou Henry? Henry, ailier gauche, à la place de Saint-Max. En vrai, j'ai un peu peur que mon milieu soit light, avec simplement Fred au milieu de terrain. Je vais partir sur un Sissoko que je ferai rentrer. M'en voulez pas pour les fans de Thierry Henry, mais j'assure, on va même se faire un banc 100% brésilien et français. Incroyable. Malheureusement, pas de Carticoen, pas de Pelé, de R9, de Ronaldinho, de Zidane, machin chouette. On aurait pu avoir Thierry Henry, mais j'ai préféré un petit Sissoko à faire rentrer au milieu de terrain qui va être extraordinaire. Je vais laisser Ndombele pour l'instant qui ajoute plus 8 en collectif et je ferai rentrer du coup Sissoko à sa place. L'équipe est vraiment sympa. C'est pas la meilleure team possible. Clairement, il y avait des cracks de partout qu'on n'a pas eu. Entraîneur français en plus. Ça ajoute rien, c'est pas grave. On le prend quand même, Ismaël. J'ai un peu le seum quand même de parler Mbappé ou Neymar, qui sont pour moi, voilà, les deux meilleurs joueurs de ces deux équipes. Premier adversaire, Olivier Giroud en face, avec Théo Hernandez, côté français. Sinon, il n'y en a pas d'autres, attention sur le banc, si. Ribéry, Anthony, en brésilien, et on sait qu'il va faire rentrer Marquinho et Ribéry rapidement. Allez, on est parti. Honorer ce maillot, et par le jeu, honorer le Brésil. Allez, on passe. Ribéry, crochet, nouveau crochet, nouveau crochet. Non, c'est trop là, on termine. Franck Ribéry, le but stratosphérique, 1-0 pour commencer. C'est trop ce que je lui ai fait. Allez, on passe. Penalty. Alors là, les gars, je sais pas ce qui s'est passé. Penalty. Merci Théo Hernandez. Je n'avais même pas le contrôle du joueur qui se fait faucher. Tant mieux. Karim Benzema. Grosse lucarne à gauche. Grosse lucarne. Et ça rentre tranquille. 2-0, Kabenwebe. Oh, Ribéry, t'es plus rapide. Franck Ribéry. Avant la mi-temps, la petite passe, on termine. Ribéry pour Benzema et le 3-0 derrière. Faut se demander, 3-0, 45ème et le rush kit. On enchaîne, deuxième tour. On est reparti. Ekusson, Galatasaray. Alors Mendy dans les cages, Bremer, Lucio. Lucio, on aurait bien aimé, carte brésilienne en plus. Bruno Guimarães et devant, Gabriel Jesus comme nous. Très belle team en face. Allez. Dembouz en passe. Ribéry, frappe pied gauche et ça rentre 1-0 encore une fois avec lui. Franck Ribéry. Quel joueur, quelle carte, il est vraiment trop fort. On enchaîne direct. Ribéry. Virgule. Petite passe et on termine derrière. Magnifique. Gabi Jesus, son premier but avec l'équipe. Profondeur. Ribéry, récupération. Le petit lob, je le tente. Et ça passe en plus, c'est ça les gars. 3-0, 27ème minute. J'adore ces petits lobes. Sauf quand je les prends. J'ai vraiment le seum. Dans l'axe. Récupération. Ribéry, tu l'as. Amuse-toi. Arc-en-ciel sur le gardien. Il se fait faucher. Penalty. Le 4-0 qui approche. Je me suis amusé. C'est le cas de le dire. Allez, Benzema. Peut-être le 4-0. Karim Benzema. Grosse lucarne. Il s'attend à une PNK, c'est sûr, mais non. Pétard lucarne. 4-0. Kabenwebe. On déroule. 33ème minute. Et le Rashkit qui arrive derrière. Logique. Troisième tour maintenant avec cette équipe 100% France-Brésil. Et même les remplaçants. Tellement on a respecté le thème. On est parti. Troisième tour. Brésilien, Lucio et Militao, Ginola également côté gauche, il a un Gullit au milieu de terrain, quelques cartes françaises, Pogba également. Je sens que ce match n'a pas été de tout repos. Non, là, je t'ai vu, talonnade, ça passe, oh là là, le football, oh le football, quelle action magnifique, 1-0 avec Benzema, forcément. Quand on parle de football, qui finit? Karim Benzema. L'action, elle est extraordinaire. Allez, pas de but direct, pas de but direct, s'il vous plaît. Oh là là, le CSC, les gars. Le pire début de deuxième mi-temps possible. Allez, on passe. Pénalty, pénalty. Allez, faut le mettre. Troisième péno de la draft, je crois. Faut pas le rater, celui-là. Panenka, les gars. Quand c'est un péno important, Panenka au milieu. Karim Benzema, pénalty important. Il a une Panenka. Faut pareil. Panenka, en plein milieu. Et ça rentre. Kabenwebe pour le 2-1. Oh, la perte de balle. Heureusement que c'est Dzeko. Oh là 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 là. De partout. Je lui donne le but, je suis en train de me dire heureusement c'est Dzeko. Là je viens de voir, carte 89 de vitesse. Je regrette. Allez, Ribéry. Tout seul. En passe, petite passe, on termine. Termine, termine. Sissoko, la brute Sissoko les gars pour le 3-2. Là c'est clairement le guerrier Sissoko. Le but est dégueulasse mais on prend. Enfin si on va jusqu'en finale. Ah, le cadeau, il a craqué. Gabi Jesus qui termine sans regarder. Le petit 4-2, fin de ce match. Ah, il a craqué en face. On en restera là, victoire 4-2 dans cette demi-finale. C'était vraiment pas évident. En vrai, normal que s'il y a un mix entre la France et le Brésil, l'équipe doit absolument aller en finale de Coupe du Monde. Bon là, c'est en finale de draft, mais c'est pareil. On est parti, la finale de cette Coupe du Monde. Pour moi, c'est une Coupe du Monde, les gars, avec mon équipe France-Brésil, contre justement un joueur argentin. Koundé en face, côté français. Pelé, Ribéry, Eusebio, wow.
grosse team. Plus Okocha en plus, grosse team les gars. Il a eu Pelé que je souhaitais absolument avoir malheureusement dans l'équipe, on l'a pas eu. Ça défend bien, Ribéry, virgule, frappe pied gauche, Franck Ribéry encore une fois. Il est trop fort les gars, je vous l'ai dit depuis le début, 1-0, monsieur Francky. Oui Ribéry, virgule derrière, ça revient, on termine, c'est moche. Gabi Jesus qui vient casser la barre pour le 2-0 45ème. Le but de la 45ème, on le connaît celui-là. Oh, il m'a fumé, bien joué à lui, Eusebio pour le 2-1. Bien défendre. Oh, je me suis jeté, aïe. Pelé, c'est sûr. Ah ouais, de partout. Franchement, il a bien joué, bien attaqué. Et j'ai très mal défendu. Et dans l'axe. Oui, Benzema. Frappe croisée, Ribéry. Let's go, baby! C'est Ribéry finalement pour le 3. Je me suis dit qu'il allait anticiper une petite passe, les gars. On y a pensé. Frappe croisée, on y va solo. Dernière action à défendre. Wow. Dernière action à défendre. Lucio qui intercepte. Et qui dégage. Normalement, c'est fini. Victoire 3-2 en finale de draft. Dernier match les gars, le plus compliqué de cette draft, victoire 3-2, merci encore Franck Ribéry, tout simplement, 2 buts, Saint-Maximin les gars, j'ai mal parlé de lui, mais quand même, 2 passes D, homme de l'ombre. Qu'est-ce qu'on a maintenant en récompense? J'espère du lourd. Alors, 4 victoires forcément, 4 packs, ok c'est éclaté, 2 packs joueurs premium or, 2 packs or qu'on va même pas ouvrir les gars, on va ouvrir mieux que ça. Du coup on va ouvrir à la place 2 packs jumbo or, et ensuite les 2 packs juste à la fin, les premium or, normalement ça va être sympa. Je pense qu'on aura au moins un bon joueur dans ces 4 packs. Ouverture des packs. Premier pack, pas d'animation. Ok, ça sera éclaté. Japonais défense centrale. Itakura. Rien de bien fou. Deuxième pack, Jumbo Or. En espérant une petite animation, s'il vous plaît. Toujours pas de lumière. Ok, c'est bien éclaté. C'est comme des packs or au final. Abraham 82. Plus un joueur noté 81-83. Un Tchouameni. Ça va. Et on est parti du coup. Les deux packs joueurs premium or. En espérant avoir un truc sympa. J'ai failli me prendre ma manette dans la tête les gars. Gardien, toujours pas d'animation. Mais c'est quoi cette draft les gars, sérieusement? Alex Remiro 82. Discard tous les joueurs, 4000 crédits. On va pas rester là dessus quand même. Dernier pack premium or également. Que des joueurs, animation. Même pas d'anime, même pas de lumière, même pas de 83. On est où là? Malone. Non les gars, je réouvre un pack, c'est pas possible. Il me reste un jumbo or. J'espère que celui-là il va porter ses fruits. Ah, l'animation, animation, petite animation normalement. Espagnol, milieu central. Carlos Soler, Fabian Ruiz 83, ah j'ai une poisse. Je vais pas vous laisser qu'un pack aussi éclaté les gars. Petit pack à 45k. Là normalement ça va être sympa. Voilà, animation. Ce sera un peu mieux je pense. Oh lolo, mais c'est quoi ces cartes? Sommer 85, on s'arrête là. On arrête le massacre, n'ouvrez pas de pack les gars. Ça ne vaut pas le coup. Sergio Ramos derrière, plus 2 cartes Coupe du Monde. Ça peut être bien. Goodwin. Et deuxième carte. De La Fuente. On arrête le massacre. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas bien sûr à liker, partager, commenter. Et bien sûr, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très prochainement. Ciao.